apprend que samedi, Hakim va effectuer sa rentrée. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son état de forme actuel? Depuis la course du Critérium, il a été faire la montre au Ratsassi, donc il est vraiment revenu au top progressivement. Je l'ai travaillé il y a deux jours et tout est parfait, pas de boiterie, pas de maladie, donc c'est de bon augure pour sa rentrée. Alors c'est une belle course pour lui et l'opposition est toutefois relevée. Est-ce qu'il est assez prêt pour défendre ses chances? Assez prêt, je pense qu'il est mentalement au mieux et physiquement aussi. Par contre, il ne va pas avoir de ferrure adéquate parce que je vais le laisser ferrer pour une rentrée et il n'aura pas de débouche-oreille. Donc on ne peut pas être à 100% face à des chevaux étrangers ou autres qui sont performants tout de suite. Est-ce que tu sais comment tu vas le courir? Dans quel état d'esprit tu vas te présenter à ce départ? On va déjà avoir le numéro, mais logiquement, c'est un cheval maintenant qui préfère attendre. S'il n'est pas trop bouillant, je vais faire comme l'année dernière, faire que la ligne droite à Enghien. C'était bien l'année dernière, il a fait deux belles courses. S'il peut faire la même ligne droite, le classement on verra, mais c'est la façon de courir qu'il faut qu'il prenne dans sa tête. Merci Kim. Alors sans être un objectif, c'est quand même une course où tu vas prendre ce qu'il y aura à prendre. On sait que c'est des petits chevaux, des champions comme on dit, donc on aime bien qu'ils soient dans les trois premiers quand même. Après, je vais pas l'empêcher d'aller et je vais pas non plus lui mettre une ventrée. Tu auras également Aliénor de Godrel qui se présentera dans ce prix de Milan. La dernière fois, elle était bonne? Aliénor, parfaite dans sa course de rentrée, on va déférer les 4. C'est pour ça que je la cours. Elle est peut-être un petit peu en dessous d'Hakim en classe pure, mais logiquement, elle a de la vitesse, elle peut faire un bon parcours. Elle est beaucoup plus prête qu'Hakim? Beaucoup, peut-être pas, mais elle va être plus mise, disons, pour faire cette course-là. Quoi. Les ambitions ne sont pas limitées du tout alors avec elle? Pas du tout. Non, tout est au feu vert et on peut gagner s'il faut.